On peut essayer de repartir maintenant votre rencontre avec Claude Vincent. Oui, il a essayé. Là, un petit peu, oui, il a essayé effectivement avec le bioélectronimètre à mettre en évidence la différence existante entre un milieu vivant sain et un milieu vivant pathologique. Et c'est également en s'orientant dans ce sens qu'il a effectué de multiples mesures, tant sur les vaccinations que sur beaucoup d'autres choses, pour essayer de voir en quel sens les produits pouvaient faire dévier le milieu vivant. Et Vincent a réussi à intéresser passablement de médecins à sa technique. Je pense notamment, je ne l'ai pas connu, mais enfin, au docteur Besson, qui était directeur du centre de transfusion sanguine d'Annemasse. Puis enfin, il y en a eu d'autres. Et vraiment, il avait une accumulation de données qui méritait d'être prise en considération. Seulement, évidemment aussi, ce sont des mesures de terrain. Donc, comme on est axé sur les problèmes microbes, on ne s'occupe pas du terrain. Alors qu'on sait très bien qu'une variation de terrain peut très bien faire varier la nature du microbe. On le sait. Seulement, ça fait partie de ce qu'on ne dit pas. Là aussi, il y a un commerce qu'il ne faut pas déranger. Et au niveau des vaccins, alors qu'est-ce qu'il a trouvé un petit peu dans tous, les vaccins, dans l'ensemble, sont des alcalinisants oxydants. Dans l'ensemble. Donc, ils créent un milieu... Donc, ils contribuent à la dégénérescence d'un milieu. Et il est certain que par les temps actuels où on accumule les séries de vaccinations, par rapport à ce qu'a pu dire Vincent au moment où il l'a fait, parce que ça remonte déjà un certain temps, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais c'est certainement pas brillant comme résultat. Dans le problème des vaccinations, on considère que s'il n'y a pas une réaction dans les, je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures, ben ça n'a aucun rapport. Alors je regrette... Ça peut se manifester à beaucoup plus longue échéance, surtout quand les vaccinations sont multiples. Et alors ensuite, pour les enfants, par exemple, où l'état de défense immunitaire n'est pas mis au point encore, puisqu'il ne se fait qu'avec l'âge, c'est une véritable destruction. C'est un véritable handicap créé à l'humanité du futur. Alors...